Bonjour à tous les amis, c'est Brasier votre gamer préféré du mois, je l'espère. On est reparti donc pour la boutique du jour du 20 mars 2023, donc avec à la une le retour des packs de braves de la bannière, avec guerrière à la bannière, sergent torné, maraudeuse griffée et brigadier marqué, tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez bac preux de la bannière et bagarreur marqué, partisan au symbole, lieutenant au logo et tireur distillé, tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez la pack d'équipement de la bannière, donc avec le revêtement bannière. La cape bannière, c'est un accessoire de dos. Le bouclier bannière, un deuxième. L'emblématique, c'est outil de collecte. Le drapeau levé, portez fièrement vos couleurs, c'est un petit emote. Et pour terminer, le planeur personnalisé, donc tout ça pour 1600 V-Bucks. Hors pack, vous avez la maraudeuse griffée pour 800 V-Bucks. La guerrière bannière pour 800 V-Bucks. La brigadière marquée pour 800 V-Bucks également. La sergent tornée pour 800 V-Bucks. Le bagarreur marqué pour 800 V-Bucks. Le partisan au symbole pour 800 V-Bucks également. Le lieutenant logo pour 800 V-Bucks, le tireur d'élite stylé pour 800 V-Bucks, la cape bannière pour 400 V-Bucks, le bouclier bannière pour 400 V-Bucks également, l'emblématique pour 500 V-Bucks, le drapeau levé pour 500 V-Bucks également, la bannière qui est le revêtement d'armes pour 500 V-Bucks, le planeur personnalisé pour 500 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Memento Mori, avec funèbre, la prothétique effrayante des trépassés, fait partie de l'ensemble Memento Mori, disponible depuis la saison 1, chapitre 4, avec ses deux customs différentes, avec ses ailes d'angoisse et son accessoire de dos, il n'y a aucune raison d'avoir peur, la serre plumée, c'est son outil de collecte, la victoire est dans vos griffes, et le requiem argenté, c'est le petit revêtement d'armes, tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack, vous avez funèbre et ses ailes d'angoisse pour 1200 V-Bucks, les serres plumées pour 500 V-Bucks, le requiem argenté pour 300 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour du pack armée solaire avec solaire et ses ailes solaires qui sont accessoires de dos. Icône solaire, c'est le petit planeur. Tescal et son ascenseur qui sont accessoires de dos. Et la hashtag qui est notre outil de collecte, tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez solaire et ses ailes solaires pour 1200 V-Bucks. Icône solaire pour 800 V-Bucks. Tescal et son ascenseur pour 1200 V-Bucks également. La hashtag pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Révolte des robots avec Rebelle, bouleverser l'ordre établi, fait partie de l'ensemble Révolte des robots disponible depuis la saison 7, premier chapitre, avec son porte-aérosol qui est son accessoire de dos, c'est de la bombe de peinture. Révolter, renverser le système avec son porte-skateboard, avec lui tout roule, c'est son accessoire de dos. Intersection, c'est alors, il n'y a que deux chemins possibles, pardon, c'est donc le petit outil de collecte. Et pour finir, réseau ouvert, c'est revêtement animé, réactif, saison 6, chapitre 2, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Rebelle et son porte aérosol pour 1500 V-Bucks. Révolté et son porte skateboard pour 1500 V-Bucks également. Intersection pour 500 V-Bucks. Réseau ouvert pour 500 V-Bucks également. Voilà. Ensuite, vous avez la chasseuse éclaireuse, experte en reconnaissance, partie d'ensemble Force avancée, saison X, premier chapitre, pour 800 V-Bucks. La survivaliste, une tenue de survivaliste rare, disponible depuis la saison 1, chapitre 1, pour 1200 V-Bucks. Allégresse, ne vous laissez jamais abattre, saison 1, chapitre 3, pour 500 V-Bucks. La hachette primordiale, son empreinte reste longtemps, fait partie d'ensemble piqûre, saison X, premier chapitre, donc c'est un outil de squelette pour 500 V-Bucks. Rétro, c'est chic, saison 2, chapitre 1, pour 500 V-Bucks également. Moins moins, peur sur la ville, saison 4, premier chapitre, pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack The Kid Laroi avec The Kid Laroi et sa Get My Back qui sont accessoires de dos. Laroi hors la loi avec sa lame tragique qui sont accessoires de dos et son outil de collecte. Le freestyle de Laroi, c'est votre pendant d'armes, tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez The Kid Laroi avec sa Get My Back pour 1500 V-Bucks. Laroi hors la loi avec sa lame tragique qui sont accessoires de dos et son outil de collecte pour 2000 V-Bucks. Le freestyle de Laroi pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez les emotes, la danse Laroi, donc la première emote pour 500 V-Bucks. Toujours à flot, c'est une deuxième. Fait partie toujours l'ensemble de Kid la Roi, donc est toujours à flot, c'est une deuxième emote pour 300 V-Bucks. La troisième, Cœur de la Roi, donc pour 500 V-Bucks. Et pour finir, vous avez Stay la musique et le rêve d'aventure des l'écran de changement pour 200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack John Cena. John Cena est son titre du championnat WWE, qui est son accessoire de dos. La topeuse d'un 5 doigts, c'est son outil de collecte. Tu me vois pas, sa petite emote, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez John Cena et son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks, la topeuse à 5 doigts pour 800 V-Bucks, tu me vois pas pour 400 V-Bucks, voilà. Ensuite, vous avez sur le pack survivant de Raccoon City avec Léon S. Kennedy et sa mallette qui est son accessoire de dos, Claire Redfield et ses clés du RPD qui est son accessoire de dos,
Le couteau de combat de Léon, c'est son outil de collecte. Et le parapluie Umbrella, je suppose que c'est l'outil de collecte du deuxième personnage. Donc tout ça pour 2500 évêques. Alors, Pac, Xavier Léon, S. Kennedy et sa mallette pour 1500 évêques. Claire Redfield et sa clé du RPD pour 1500 évêques également. Les couteaux de combat de Léon pour 500 évêques. Le parapluie Umbrella pour 500 évêques également. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Horizon Dawn avec Alon et sa bonbonne à flamber qui est son accessoire de dos. Lance d'Alon, c'est son outil de collecte. Étincelle, c'est son petit planeur. Le porteur de bouclier, son vêtement d'armes. Le cœur Horizon, c'est sa petite emote. Et pour terminer, vous avez écran de chargement Alon, la vigile céleste. Tout ça pour 2600 évêques. Hors pack, vous avez Alon et sa bonbonne à flamber pour 1500 évêques. Étincelle pour 1200 évêques. La lance d'Alon pour 800 évêques. Le cœur Horizon pour 300 évêques. Et le porteur de bouclier pour 500 e-bucks, donc pack et hors pack toujours. Ensuite, vous allez au retour du pack de casier de Mama Benji Fishi. Mama Benji Fishi, donc avec Isabelle et son livre de sort, volume 3 qui sont histoire de dos. Les lames encensantes, c'est son petite collecte. Bisous, c'est sa petite emote. Pantomime, c'est une deuxième petite emote. La troisième, un mur incantatoire. Tout ça pour 2000 V-Bucks, donc pour changer de style en cours de la partie. Tout ça pour 2000 V-Bucks donc. Hors pack, vous avez Isabelle, son livre de sort et l'armure incantatoire pour 1500 évêques. Voilà. Les lames ensorcelantes pour 800 évêques. Le bisou pour 500 évêques. Pantomime pour 500 évêques également. Voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack Ned l'Éternel pour 16 euros avec un accès permanent à la campagne de Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier en tempête base 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes. Terminez ce pack de défis qui comprend la tenue Ned le bouclier. Kevin à la base, c'est son accessoire de dos. Le détecteur de kit médical, c'est son outil de collecte. Donc voilà, tout ça pour 16 euros, les amis. Ensuite, pour 25 euros, vous avez toujours le pack Royauté et Guerrier de Marvel. Donc, pack Marvel, Royauté et Guerrier avec pack Black Panther et sa cape du roi qui sont accessoires de dos. Les Dagger Vibranium, c'est son outil de collecte. La planche Hulk-Indienne, c'est son petit planeur. Ensuite, vous avez Captain Marvel avec sa dossière de cri qui sont accessoires de dos. Le bâton Alpha, c'est son outil de collecte. Le pouvoir de Marvel, c'est son petit planeur. Et pour terminer, vous allez mettre deux corvées avec son clean mimétique qui est son accessoire de dos. Et l'épée d'imitateur, le titre collecte, tout ça donc pour 25 euros, les amis. Le prix du pack. Et pour terminer, pour 16 euros, vous êtes sur le pack Légende corrompue, donc avec Arachné corrompu, Préscience corrompue, Shogun corrompu, chacun avec l'accessoire de dos, Longue patte corrompue, Échappe à viseur corrompu et les ailes tranchantes corrompues. Voilà. Sinon, vous avez toujours possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12 euros par mois, les amis. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est déverrouillée chaque mois, tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Si vous avez déjà le pass de combat, il vous rembourse 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, c'est Kyrian, chevalier de la faille, donc avec Salam d'héritier qui est son accessoire de dos, et également son outil de collecte. L'héritage de chevalier, c'est son vêtement d'armes. Et pour terminer, vous avez arme à double tranchant, c'est la petite musique qui accompagne donc ce petit pack hein, qui est en cadeau si vous souscrivez donc à la boutique de Fortnite. Voilà les amis, on va attendre quelques petites mesures, pardon. Voilà. Voilà. Donc, et sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire brasier pour me dire que tu as actuellement regardé la vidéo parce que c'est très très important pour le référencement sur YouTube, les amis. Hein, il faut regarder entièrement la vidéo. C'est mieux, hein. Après voilà, ça dure pas trop longtemps, donc voilà, je pense que vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Si t'es pas encore abonné, c'est en bas à droite qu'il faut le faire, c'est totalement gratuit, tu cliques sur s'abonner et tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur, le code BRASIER en majuscule en minuscule dans la boutique de Fortnite, vous mettez accepté, moi ça m'aide énormément, ça me permet de faire du meilleur contenu et de pouvoir vous proposer plus de choses sur la chaîne et également de vous faire des cadeaux, donc voilà, n'oublie pas de mettre le code BRASIER. Tu as aussi le lien de mon partenaire sous la vidéo, donc Instant Gaming, le partenaire de la chaîne, je le rappelle, donc voilà, il faut aller faire un petit tour chez eux. Moi, ça m'aide énormément. Si tu veux, après, tu as d'autres façons de me soutenir. N'oublie pas, tu peux mettre BR devant ou derrière ton pseudo, ça me fait extrêmement plaisir et ça montre ton soutien à la famille Brasier. Donc voilà. Et pour terminer, si tu aimes vraiment la chaîne et qu'elle te plaît, que tu veux t'investir et que tu veux devenir un membre exclusif de la chaîne, n'oublie pas, tu peux aussi recourir à la souscription et je te mets le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà. Sur ce, voilà les amis, hein, moi, de toute façon. Voilà, tous ces petits soutiens m'aident à vous proposer plus de choses et à vous faire passer de bons moments avec moi, divertissants, donc voilà. Et pour le fun, donc vous le savez. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve ce soir, bye bye.